Yo Sarah H, mais je crois que je t'avais déjà dit bonjour, le tueur a mis une parade, c'est peut-être Blight. En même temps, à quoi ça sert de mettre Blight add-on ce que tu veux et parade, puisque les add-ons vont être modifiés. C'est la harpie du coup. Eh, deux fois harpie ce soir. Je vous ai dit, les game viewers, elles sont particulières. Hein. C'est un matchmaking très bizarre. Hein. On affronte deux harpies alors que je la vois pas de la semaine. Encore une harpie. Et oui, Sarah, je t'avais vu. Harpy time. Yo Cricri Larousse, comment tu vas? Pour venir jouer avec moi, si tu es sur autre plateforme que Steam, eh bien tu as juste à rejoindre ma partie, c'est Sopalin hashtag 9778, tu m'ajoutes en ami. Et si tu es sur Steam, tu cliques sur. Tu fais point d'exclamation Steam, tu cliques sur mon profil et là tu cliques sur rejoindre. Et ça tu seras avec moi. Donc la prochaine game, donc là, une fois que cette partie est terminée, il y aura 3 places. Donc 3 personnes pourront venir jouer avec moi juste après cette partie. Yo Mélodie, comment tu vas? Il y a la perque impasse, je vais bien et toi? On va faire des monologues jusqu'à temps que la perque impasse soit enlevée. Désolé mais j'ai que ça à foutre. Trop la flemme d'aller chercher un autre générateur, celui-là est bientôt fini. Après je crois qu'il y a 3 générateurs assez proches, là où vient de tomber la Claudette normalement. Il faudra faire gaffe à ça quoi. C'est bon, c'est enfin débloqué. Allez, c'est bon, on va pouvoir finir. Enfin, peut-être. Ça va rebloquer un gène, celui de Nick Cage. Désolé, Nick. Ouais, ça se passe, les game viewers, tranquille, Mélodie. Ok, elle pose des trappes de partout. Merde, elle m'a vu. Ah, je suis pas sûr. Tu vois, si elle avait pas bougé, je pense qu'elle m'avait pas vu. Je pense pas que la Claudette puisse être décrochée contre Harpy, c'est très tôt de décrocher, il faut dire la vérité. Allez, on la ramène sur nous, c'est bien ce qu'on fait parce que là elle peut pas avoir mis de trappe, c'est impossible. On va faire seulement de sauter. Ça passe, nickel, parfait, perfecto pipo. Perfecto pipo. On va se décaler tranquillement, j'ai largement le temps de sauter la fenêtre, si c'est pas le cas je vous donne 1 million d'euros. Ok c'est bon, pas besoin de 1 million d'euros, perfecto. Elle arrive, elle a placé le petit piège pour éviter que je saute, mais je sauterai pas, t'inquiète pas, je vais juste aller vers la cabane. J'ai l'impression qu'elle veut quand même me suivre, c'est cool. Elle accepte la chase, ça fait plaisir parce que bah c'est rare. Donc là ça fait plaisir, c'est rare. Quelqu'un qui accepte la chase, ça m'est pas arrivé depuis 20 ans. Ok, elle pose une trappe juste devant la cabane, je vais essayer de lui activer. Voilà. Elle a les trappes silencieuses, on l'a capté, pas de soucis. Pas de soucis, pas de soucis. C'est les trappes silencieuses, c'est qu'elles s'activent que pour elle, mais nous on les voit pas s'activer. Nickel, on va faire un petit moonhole comme ça. On va se décaler, elle devrait redécaler aussi, elle redécale aussi, elle redécale encore. Ok, elle repose une trappe, let's go. C'est bien placé ça. C'est bien placé parce que je pense qu'il y en a une autre placée dans la cabane, mais je suis pas sûr, on va voir. Elle a fait le tour ou pas? Ouais, ok. Elle me force à faire le tour pour que je me prenne la trappe dans la gueule. C'est pas idiot. Il y a des idées. S'emballer un hein, du coup. Ok, on la proc ou pas? Non, on était pas assez près, tu vois. Là, c'est bon, j'ai proc. J'ai proc ou pas? Ouais, t'avais bien proc. On a bien joué là-dessus. Merci voilà. Pour ton follow, merci New Xard. Merci beaucoup, bienvenue. Merci à toi, merci pour le follow. Yo Zelwit, je vois pas ton truc. Bah, je vais le supprimer parce que je vois pas, je sais pas ce que c'est. Donc, dans le doute, je préfère supprimer. Pour jouer avec le grand Sopalin, tentez votre chance, mesdames et messieurs. Oh, je suis pas grand, tu sais. 1m75, merci, merci, j'arrive sur une bonne chase. Merci News, c'est gentil. Ah ben voilà, merci Nate pour ton follow, voilà, c'est très gentil. Salut Camille, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. C'est important d'aller bien quand même. Guettez les yeux bleus. Ça, c'est des yeux bleus, ça. Ça, c'est des yeux bleus, ça.
Je vais bien Camille, je t'embrasse. Ouais, Nonopika, il y a 3 places actuellement dans ma game. Donc n'hésitez pas à rejoindre si vous le souhaitez, il y a 3 places. On va essayer d'aller sauver le poteau, mais ça va être chaud parce que c'est l'harpie quand même. Après, les portes sont pas loin. Dragage sur les risques, 5 minutes, 4 kills. Mon meilleur temps de janvier. GG, t'es trop chaud, Garyz. GG à toi. Ok. C'est nickel. Parfait. Bah attention, là, sûrement poser pas mal de trappes. Elle va attendre. Faut que tu fonces, elle va attendre. Vas-y, fonce. Voilà, c'est bien joué ça. Magnifique, bien joué. D'accord, agrume fruité, merci à toi, c'est gentil. Nanana. Ouais, cette petite harpie là. C'est rare, hein, il faut dire la vérité, ça fait 8 ans que ça m'est pas arrivé de voir un tueur qui accepte la chase. Normalement, ça fait, allez, un an, je dirais. J'abuse un peu, mais ça fait peut-être un an que j'ai pas vu quelqu'un accepter de me suivre dans des conditions où c'était impossible qu'elle me chope. Parce que là, vraiment, c'était impossible. C'est pas parce que je joue bien, rien à voir. Juste parce que les palettes, les zones où j'étais, je pouvais rien m'arriver. Et elle a accepté, et ça m'est pas arrivé depuis 20 ans. Donc, et ça, c'était le gameplay 2017. Là, 2017-2018, c'était ça. Et dis quoi ? Waouh ! Si tu as fait en 60 secondes de chase 4 générateurs, c'est une vraiment bonne game. Je sais pas, j'ai joué au PG Next One, je sais pas. Je sais pas combien de temps j'ai loupé. Je suis sûr que si on met un chronomètre, ça fait pas 60 secondes, mais beaucoup plus. Mais le problème, c'est que souvent, quand tu fais une chase, tu te rends pas compte du temps que ça prend. C'est-à-dire qu'elle, elle dit que ma chase a duré 60 secondes et qu'en 60 secondes, il y a eu 4 générateurs. Je suis sûr, si tu prends un chronomètre, ça fait pas 60, mais beaucoup plus. Mais je peux comprendre la frustration, c'est sûr. Après, au lieu de dire « Waouh, c'est vrai que j'aurais peut-être pas dû te suivre », c'est ce qui m'a fait perdre la partie. Parce que je t'ai suivi dans une zone où les gens avaient déjà été faits. C'est une erreur de ma part, là-dessus, j'ai pas très bien joué. Là, j'aurais dit « D'accord, pas de souci », et effectivement, elle est réaliste, et c'est ça pour ça, elle a perdu pour ça, tu vois. Au lieu de ça, elle dit « Ouais, 60 secondes, 4 gens. » Alors que c'est pas 60 secondes, mais beaucoup plus, et c'est pas 4 gens. Puisqu'elle a démarré un match, il y avait déjà 2 gens de faits. Donc c'est pas possible qu'il y ait 4 gènes de perdu avec déjà 2 gènes de fait. Sinon ça fait 6. Mais c'est pas grave, je peux comprendre la frustration. Vocation, boucher sadique, sombre dévotion, impasse. Ok. Pas besoin de m'ajouter sur Steam, t'as juste besoin de rejoindre la partie, Garyz Gamer. T'as chase plus longtemps et elle a juste le seum parce que elle avait un bon add-on. Ça peut se comprendre, y a pas de soucis.